Serge Gros, qui est un praticien expérimenté, donc ancien directeur du CAUE de l'Isère, donc il a dirigé pendant presque une trentaine d'années et qui va introduire aussi cette matinée en nous dressant le constat de la complexité du monde actuel et de sa complexification. Et à travers le croisement de ces différentes thématiques de densité, de logement, d'urbanisme, de paysage et des bases de projets que sont la sensibilisation, la concertation et la médiation, et comment les CAUE, les architectes conseillers des CAUE, ont pu aussi assurer ce rôle de médiateur et d'apporter des éléments de méthode et des clés de lecture. On va peut-être juste commencer voilà, par un petit film thématique, humoristique, pour illustrer et se mettre un peu dans l'ambiance de cette matinée. Allô? Allô? Oui, j'aimerais parler à un urbaniste, s'il vous plaît. Oui, c'était quel sujet? Oui, alors voilà, c'est pour mon POS. Votre quoi? POS, plan d'occupation des sols. POS! J'avais oublié que ça existait, ça. Et oui, ce sont des choses, ce sont des pratiques d'un autre âge. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples. Ah bon? Je vous explique. Les lois SRU oui. Et UH, puis les Grenelles 1 et 2, oui. Nous orientent clairement vers un SCOT. Ah, SCOT. Qui, rappelons-le, va sous peu remplacer le SDAU au niveau de la rue. Ah, qui oui. Rend votre poste tout à fait. La rue caduque. Ah, il est temps pour vous d'élaborer un PLU. Ah, PLU. Oui. C'est rien de plus simple. Un PLU. Un PLU, rien de plus simple. Bon. Dans vos futures zones AU. C'est-à-dire oui. Celle qui remplace les zones ENA. Ah, oui, d'accord. Vous ENA, pourrez c'est... maîtriser l'aménagement en intervenant notamment sur le CES ou le COS pour définir la chaune. Hein? Les zones NB. La chaune. Les zones NB n'existant plus. Oui, il faudra donc les intégrer aux zones U, par exemple. Ah oui. De plus, vous êtes en périmètre MH. Ah oui. Vous pouvez faire intervenir l'ABF. Ah ben l'ABF, oui. Pour mettre en place une AMVAP. Ah, une AMVAP. Oui, la MVAP remplace les ZPPAUP. Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça. D'ailleurs, depuis la réforme du permis, c'est bien simple. Tout s'est simplifié. Les ADS, le PC, l'ADT, le PD, tout. Jusqu'à la DDE, qui rejoint la DDAF pour former la DDT. Pour former la DDT. Ah oui, la DDT. DDT, c'est ça. DDAF. Voilà, oui, très bien. Oui, je vois. C'est formidable, toutes ces simplicités. C'est merveilleux, toute cette simplicité. C'est merveilleux. C'est vrai, et pour ce qui concerne le DD. Ah, le DD. Oui, le DEF dur, si vous préférez. Ah, DEF dur, oui. Vous savez que la DIREN a rejoint la DRE et la DRIR pour former la DREAL. Ah, la DREAL. La DREAL. Voilà. Oui, voilà. Et j'ai pu voir en consultant leur site que vous êtes au carrefour des zones de l'ADEG, du PNRC et du PNRV. PNRV, oui. PNRV, oui. Parc du Vercors. Ah oui, oui, oui. Et vous avez de nombreuses SNIEF sur votre commune. C'est très bon, ça. Vous pourrez trouver des aides au niveau de la région via le CDDRA ou le CGI, qui vous propose un PAC permettant de mesurer les sucres. Ah oui, la PAC, c'est une zone de vie. Et bien, constatez que depuis la LOF. Ah, la LOF. Tout cela a bien changé. Ah bah oui. Oui, c'est devenu beaucoup plus... Hein? C'est beaucoup plus... Limpide. Voilà. Limpide, c'est le mot que je cherche. Limpide. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci Baptiste pour cette invitation sympathique. Vous voyez, en Isère, on a tenté aussi de prendre un peu de recul, comme c'est souvent le cas de nombreux CAUE, et d'amener parfois un peu d'humour, un peu d'autodérision dans ce dédale des processus, des partenaires, etc., qui est un peu abscons, il faut bien le reconnaître. Donc on va essayer, comme cela vient d'être dit, finalement d'éclairer, de donner quelques réponses, quelques orientations méthodologiques.
En amont, j'aimerais, peut-être avec le recul de l'expérience de plusieurs décennies, dire que bien souvent, les élus m'ont confié à l'issue de leur mandat qu'en fait, la conduite du projet urbain était sans doute l'acte le plus difficile, mais le plus passionnant de l'engagement public et politique. Donc, je trouve que cette leçon mérite d'être rappelée, parce que au-delà de ces difficultés, on est là sur des actes qui marquent les paysages, les territoires de manière quasi définitive. Et j'ai constaté aussi que l'implication des équipes municipales, selon qu'elles avaient porté ou subi les évolutions, se lie directement maintenant dans le paysage de manière tout à fait flagrante. En fait, l'enjeu est tout à fait considérable. Les évolutions de nos modes de vie, d'habiter, de travail, de consommation, de loisirs et de transport ont en quelques décennies profondément marqué nos territoires. Alors, vous me direz comment dans cette évolution permanente et dans ces bouleversements, comment agir. J'aurais tendance à considérer, avec un regard un peu rétrospectif, en fait, que les legs des dernières décennies constituent un gisement d'expérience absolument sans précédent, où cohabitent à la fois des opérations qui sont remarquables, on en connaît, mais parfois on a du mal à les identifier, mais je dirais qu'elles ne sont jamais le fruit du hasard, mais on compte à côté d'elles, et bien souvent de manière majoritaire, on est confronté à des réalisations parfois d'une très grande banalité, qui sont le fruit de réponses standardisées, qui altèrent parfois gravement l'identité et le caractère originel des lieux. Beaucoup de leçons peuvent être tirées de ces expériences. Je dirais que 9 fois sur 10, en fait, à l'analyse, c'est la méthodologie des projets qui est en cause. Et donc, on va essayer de s'attacher à réfléchir à l'évolution de ces méthodologies. Je dirais aussi, avec le recul, que les élus et les techniciens passent, mais que malheureusement, parfois, mais heureusement en général, je dirais, les réalisations, elles, demeurent. Donc, la première leçon que j'aurais envie de tirer, c'est sans doute celle d'une plus grande humilité et de l'impérieuse nécessité d'engager, comme Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, des réflexions préalables sérieuses, de refuser la banalité et la fatalité d'être ambitieux pour le territoire. Alors ça paraît une évidence, mais face aux complexités des processus, parfois on peut avoir tendance, parce qu'il est plus facile d'accepter, de faire confiance a priori, d'accepter des produits tout prêts, clés en main, etc. Et on peut aujourd'hui mesurer leur impact tout à fait considérable. Je rappellerai par ailleurs qu'en 3 décennies, on a consommé 10 fois plus de foncier en construisant et en aménageant qu'en plus de 3000 ans. Je crois que c'est quand même des choses qui sont tout à fait historiques et qui nous entraînent dorénavant vers un nouvel exercice qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe que ce que le précédent. C'est celui de la recomposition. Les mots, vous voyez, ont changé en quelques temps. De la rénovation, de la déconstruction, du recyclage, peut-être de l'intensification urbaine, et aussi peut-être aussi de la réinvention finalement du vivre ensemble. Loin des décennies d'open bar, si je peux me permettre, en termes de consommation foncière dont on mesure désormais les limites, l'heure pour nous est plutôt à l'optimisation des ressources, la réparation, la mixité d'usage, des fonctions, l'évolutivité, la réversibilité des aménagements, l'analyse de vie des matériaux, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui on parle d'énergie grise, la valorisation des ressources locales et des savoir-faire pour atteindre aussi des performances qui est environnementales et énergétiques qui sont aujourd'hui requises, qui deviennent obligatoires, et le tout bien entendu dans une économie toujours plus contrainte. Alors ça rejoint presque un peu ce portrait à la Prévert, la caricature de tout à l'heure. On voit que l'exercice est très compliqué, mais que le défi est de toute évidence absolument passionnant. Je dirais donc, en conclusion de ce premier constat, que plus que jamais, nous sommes condamnés à être inventifs. Alors, vous me direz très bien, est-ce qu'il existe des recettes pour y parvenir ? Je pense que non.
L'enjeu, plus que jamais, c'est de faire du sur-mesure, comme ça a été rappelé dans les préliminaires de ce webinaire. Formuler un programme adapté à chaque contexte, trouver des partenaires capables de répondre avec justesse et talent, si possible. J'observe qu'une opération est réussie lorsqu'elle donne satisfaction à l'ensemble des partenaires du projet et surtout aux usagers, que parfois on peut avoir tendance à oublier ou à ne pas concerter suffisamment tôt. Et puis qu'elle doit aussi bonifier l'environnement dans lequel elle s'installe. Pour y parvenir, ce qui nous semble absolument indispensable, c'est que le maître d'ouvrage, qui est l'initiateur et le responsable du projet, les maîtres d'œuvre, que sont les concepteurs, et les entreprises, quand il s'agit de construire, s'accordent, voire partagent, chacun dans leur domaine de compétences respectifs, les mêmes objectifs. Alors tout ça est facile à dire, mais pour y parvenir, il faut mettre en place un processus de projet adapté. Je dirais que longtemps, ces processus ont été un peu intuitifs, souvent laissés à l'initiative des maîtres d'ouvrage qui n'étaient pas toujours qualifiés pour les porter, parce que parfois un peu néophytes, ou les maîtres d'œuvre qui, eux, parfois étaient très spécialisés dans leur domaine de conception ou de réalisation, et que ces processus de projet sont depuis deux décennies beaucoup plus encadrés, beaucoup plus précis. Ils doivent, bien entendu, s'adapter aux enjeux, aux contextes, aux acteurs. Alors, sans vouloir redévelopper l'actualité depuis une vingtaine d'années, je rappelle quand même que les grandes lois comme la loi Solidarité-Renouvellement Urbain, la loi SRU des années 2000, puis les Grenelles, les lois UH, etc., qui ont intégré les trois piliers du développement durable, ont mis en évidence la notion d'impact environnemental, économique, social, voire culturel, je dirais, et d'un projet. Dorénavant, un maître d'ouvrage doit être en capacité, c'est important de le rappeler, de définir le programme de son opération. Il doit être capable de l'estimer financièrement, d'annoncer aussi un processus de concertation, qui longtemps a été un gros mot quand même dans nos domaines, ou en tout cas une angoisse pour beaucoup d'élus qui n'avaient pas fait l'expérience de la concertation, qui s'avère en général éminemment bénéfique, et de fixer les objectifs environnementaux au moins conformes aux exigences réglementaires. Pour la première fois peut-être, en fait, les performances seront évaluées pour constituer une véritable révolution culturelle et technique dans les métiers de la construction. Très longtemps, on a construit sans se retourner sur nos travaux. Aujourd'hui et dorénavant, il nous faut être beaucoup plus lucide et vérifier qu'on a bien atteint les objectifs qu'on s'était assignés. Alors, on le disait, l'essentiel est d'être dans cette complexité nouvelle, d'être bien accompagné. Je considère que les CAUE peuvent aider les collectivités dans ce contexte de manière tout à fait privilégiée, car depuis les années 80, ils ont, grâce à leur statut d'indépendance inscrit dans la loi de l'architecture, réussi à mettre en place des équipes pluridisciplinaires et des conseils en amont qui sont adaptés à l'échelle de chaque contexte, de chaque projet. L'objectif, c'est vraiment d'apporter pour eux une expérience, et pour vous surtout, une expérience, une expertise extérieure à la commune, grâce à leur statut neutre, indépendant, de toute maîtrise d'œuvre, ce qui est une vocation pédagogique, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement. Pour mener à bien ces éléments, les CAU ont développé des outils. Alors, on en a affiché un à l'écran. Là, il s'agit d'un outil qu'on a développé pour la métropole de Grenoble. Alors, c'est une échelle importante, mais dans lequel on a essayé de traduire de manière très, très simple, finalement, les grands objectifs, les grandes temporalités des projets. En quatre temps, pour simplifier les choses, le premier temps, c'est la préparation. L'idée, c'est d'accompagner positivement un projet en énonçant, par exemple, en identifiant ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les atouts et faiblesses du site sur lequel on interviendra, les besoins, les dysfonctionnements éventuels, les enjeux,
l'échelle pertinente de la réflexion. Ça n'est pas simple quand on est focalisé sur un problème. Parfois, on oublie de prendre le recul suffisant pour le repositionner dans son contexte. D'aller chercher aussi, d'autres expériences autour de soi, identifier, révéler les caractéristiques des sites, faire rêver. Je crois qu'il est indispensable de rêver. Tout projet passe par une projection et par une projection sur l'avenir et un imaginaire il faut tenter de partager avec les acteurs, avec l'équipe municipale, mais aussi avec les partenaires, bien avant que le projet ne soit formulé. Et donc, ceci, il faut ensuite tenter de définir les esquisses d'un programme, très souvent développer des scénarios qui peuvent être contrastés de façon à ce qu'ils soient les plus larges possibles et qu'ils aident finalement à la décision d'un projet le plus juste possible. Il faut aussi sans doute imaginer qu'ils devront être réalisés dans la durée, avec un phasage dans le temps, etc. Et puis ensuite, on se lance dans le projet. Et donc là, il faut imaginer le profil des compétences à mobiliser, la forme des consultations à envisager. Est-ce qu'on va procéder à des auditions, des concours, des APLIT, aller peut-être visiter encore des opérations comparables? Moi, je crois que rien n'est plus efficace pour des élus que de rencontrer d'autres élus, bénéficier des retours d'expérience dont on parlait tout à l'heure, échanger entre acteurs, de façon à se tenter de se forger l'intime conviction de ce qu'il serait souhaitable de réaliser. Et donc là, on est dans le deuxième temps, qui est celui d'imaginer à partir d'un programme et de se lancer dans la question du projet avec les concepteurs qui auront été choisis en fonction de l'exigence de la maîtrise d'ouvrage que vous incarnerez. Et puis ensuite, on arrive au temps de la réalisation, c'est-à-dire au passage à l'opérationnel, au chantier, etc. Et il y a un quatrième temps qui nous semble tout à fait important, c'est le temps que nous avons appelé « gérer », qui est celui qui, jusqu'à présent, était très souvent passé sous silence, qui consiste à, bien entendu, accueillir les habitants, à évaluer les premiers retours, la satisfaction des usagers, à réaliser quelques ajustements et surtout à déjà évaluer avec les usagers les réalisations et leur qualité. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de dire effectivement que les CAE sont particulièrement bien positionnés pour accompagner ces réflexions préalables et identifier la chaîne des acteurs et partenaires à associer au projet. Il est évident que des tours de table rassemblant les partenaires à la fois institutionnels, les experts, les professionnels du projet constituent pour nous une démarche incontournable de façon à balayer très en amont l'ensemble des paramètres et ne pas être surpris au fil du chemin. On pourrait développer chacun de ces sujets. Je crois que ce qui peut être utile maintenant, c'est peut-être de vous faire découvrir un petit film qu'on a réalisé sur la question de la densité, qui s'appelle « Densité », et qui permet finalement de réaliser, de prendre du recul sur l'histoire et de balayer comme ça différentes méthodologies de projet que l'on vous suggère. Merci. Si la démarche de densification des villes trouve aujourd'hui une actualité brûlante, c'est que la demande de logements nouveaux n'a jamais été aussi forte. Tout d'abord, on sait qu'à l'horizon 2030, la population française aura atteint 70 millions d'individus qui vivront pour 90% d'entre eux dans des villes. À cet accroissement naturel de la population
vient s'ajouter une évolution des modes de vie, avec l'éclatement de la cellule familiale. On parle de décohabitation des générations. À laquelle vient s'ajouter, de plus en plus souvent, la décohabitation des couples qui multiplient les familles recomposées. Et ces phénomènes font littéralement exploser la demande de logements supplémentaires. En moyenne, la surface de logement par individu a doublé en une génération. À cette marée démographique, il faut ajouter les nouvelles dispositions réglementaires qui visent à enrayer la consommation irraisonnée de terrains agricoles. En l'espace de quelques décennies, on a consommé, pour l'habitat et l'activité, plus de terrains fertiles que dans les 200 ans qui ont précédé. Il est donc impératif de freiner cette colonisation qui, à terme, pourrait gravement pénaliser les générations futures. C'est donc bien dans les bourgs et dans les villes qu'il faudra implanter les nouveaux logements. Bien, qu'est-ce que la densité ? C'est très simple. Pour calculer l'indice de densité d'un quartier, par exemple, on compte le nombre d'habitants par hectare. Et comme les gens ne vivent pas à même le sol, on comptabilise les surfaces de plancher qu'ils vont occuper. Et comme ces surfaces sont aussi des volumes, nous devons prendre en compte la hauteur des bâtiments, c'est-à-dire le nombre de planchers superposés. Reste à mesurer l'emprise au sol des édifices et on est en mesure de calculer la densité objective d'un lieu. Mais bon, dans la réalité, on peut aussi considérer que cette notion de densité est tout de même un peu plus complexe. Petit exemple. Dans ces deux quartiers, où trouve-t-on, à votre avis, la plus forte densité de population ? Dans le grand ensemble ou dans ce quartier de centre-ville ? Ici, et oui, si on prend un peu de hauteur, on voit que ce sont les quartiers de type haussmannien qui présentent aujourd'hui, et de loin, les plus forts taux de densité urbaine, parce qu'ils s'inscrivent dans un maillage de construction très serré, là où les grands ensembles sont la plupart du temps implantés dans de vastes parcs. La notion de densité est donc bien une question de perception subjective, plutôt qu'un simple calcul mathématique. Dans la réalité, on a souvent tendance à penser que la ville dans laquelle on vit a toujours eu le visage qu'on lui connaît. Et du coup, on crie au sacrilège dès qu'on prétend toucher à la moindre de ses pierres ou au moindre de ses arbres. Pourtant, il suffit de creuser un peu pour trouver presque partout des vestiges de ce qu'elle a été au siècle précédent, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque antique. En fait, les villes se sont toujours construites, déconstruites et reconstruites sur elles-mêmes, sans discontinuer, chaque génération apportant sa pierre, testant de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques de construction, imaginant des extensions ou des transformations pour donner un abri à ses descendants, construisant pour réparer des dégâts causés par le temps ou les guerres, ou tout simplement pour répondre à l'afflux de populations nouvelles. Et comme les terres de la France agricole étaient vitales, donc précieuses, l'habitat se concentrait dans le seul périmètre urbain du village ou de la ville. Et cette logique s'est perpétuée pendant près de 2 millénaires. Autant dire que la démarche de densification des villes n'est pas un phénomène nouveau. Et c'est bien cette réinvention permanente qui a fini par produire les formes urbaines que nous connaissons aujourd'hui et sur lesquelles nous sommes donc invités à réinventer à notre tour les modes de vie de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'une opération de densification, où qu'elle se situe, va changer la vie de ceux qui en profiteront, mais aussi de ceux qui la vivront de l'extérieur. Le raisonnement pourrait donc être très simple. Quitte à changer, autant se donner toutes les chances de changer en mieux, pour rendre le quartier plus attractif, plus nature,
moins bruyant, moins pollué, plus fluide, mieux connecté, mieux équipé, plus durable, évolutif. Les nouvelles orientations de l'aménagement du territoire associées au progrès de l'architecture contemporaine permettent aujourd'hui de tenir ce genre de promesses. Le temps où l'on pouvait construire à la chaîne des équipements formatés ne répondant qu'aux seuls critères économiques est aujourd'hui largement dépassé. Aujourd'hui, on sait construire sans bouleverser, sur une friche industrielle ou militaire dont on conservera l'image patrimoniale. Dans les dents creuses, sur les toits des immeubles, ou en ajoutant des extensions à des volumes existants. On peut aussi, et c'est une pratique de plus en plus courante, vendre une partie de son terrain pour y installer de nouveaux logements pour ses parents ou ses enfants. Bref, composer le plus intelligemment possible avec l'existant. Si la seule constante d'un projet de densification reste la nécessité d'accueillir plus de monde dans un espace donné, les moyens d'y parvenir sont innombrables. Alors, comment être sûr de trouver les meilleures solutions? Qui propose? Qui choisit? Qui décide? Eh bien, c'est très simple. Comme il y a beaucoup plus d'idées dans 100 têtes que dans une seule, il faut, dès le départ, composer une palette d'acteurs capables, à eux tous, de faire le tour du problème. Ceux qui pensent la ville, élus et techniciens municipaux, avec l'aide de chercheurs et bien sûr de spécialistes de l'ingénierie territoriale, comme le CAUE. Ceux qui la dessinent, architectes, urbanistes, paysagistes. Ceux qui la fabriquent, promoteurs, constructeurs, artisans. Et ceux qui la vivent, c'est-à-dire bien sûr ses habitants et ses usagers. Il ne reste dès lors qu'à installer tous ces protagonistes autour d'une même table pour que chacun prenne connaissance des idées et des préoccupations de l'autre, que les points de vue se croisent et s'enrichissent mutuellement. Après avoir réuni les acteurs du processus de projet, le CAUE les invite à dialoguer, à parler le même langage en participant, entre autres, à des promenades urbaines, visites de quartiers où chacun est invité à observer, comprendre ce qui fait la singularité du lieu, apprécier ses atouts, ses faiblesses et pourquoi pas rêver, imaginer les aménagements qui pourraient l'embellir ou le rendre plus agréable à vivre. Et comme chaque quartier a sa propre histoire, sa géographie, son patrimoine, ses zones d'ombre et de lumière, les idées et les envies foisonnent au gré des regards de chacun. Là encore, autour d'une même table, cette expérience collective produit des échanges d'autant plus fructueux qu'ils croisent toutes les sensibilités, toutes les expériences, tous les savoir-faire. Le projet peut commencer à se dessiner. Voilà, merci de votre écoute et bon voilà, je reste bien entendu ouvert aux questions hein, après cette petite introduction.